Bonjour tout le monde, c'est le Chitaman. Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les weekly épisode 16. Ouais, c'est ça, et puis nouveauté, un jeu qu'on n'avait pas encore fait, bien sûr GTA 4. Ouais, un gros jeu à GTA 4. C'est clair. Et son multi est un peu compliqué aussi à paramétrer là. On avait invité les gens. C'est ça. Et bon, ça bug et tout, donc finalement on a pu éviter que 12 personnes. Ouais, mais donc c'est, on va faire. C'est déjà mieux que le mode groupe tout à l'heure où c'est que c'était limité à 8. Hein, donc on va faire deux sessions, ne vous inquiétez pas, on va tous vous inviter. Ouais. Donc là on va en profiter pour présenter les participants, les abonnés et le mode. Ouais, donc, parce que comme ça finalement ils bougent pas, parce que tout à l'heure en mode groupe ça se tire dessus, là ils sont sages. Voilà. Donc Alnino, ouais, Robin, un ami, ouais. Toto et Julien du 33, Spayo, Aldo le Ouf, Luxen de A, Rabs, Curlix. Curlix, peut-être qu'il sait pas que c'est pas Sunscreen, mais bon, c'est ouais, pas mais grave. On va le défoncer là. Voilà. Nous, Tixun, Double H95, Gangman 974. Voilà. Donc la team verte, faut représenter. Faut gagner, ouais. Donc là, j'ai mis Mission Mafia en équipe. Donc il y aura des missions en fait, c'est par objectif. Nous, on aime bien les modes par objectif. Il n'y a pas de police, on va faire qu'à Manhattan. Hein. Puis on va faire 20 minutes, puis on fera tourner. Hein. Donc ouais, c'est parti, je lance prêt. En espérant que ça bug pas, ça fonctionne, que tout le monde suit. Hein. Ouais, et puis voilà, possibilité de GTA 4, plusieurs équipes. Donc là, on a fait 3 équipes de 4, c'est pas mal. Hein. Okay. Ça va varier un peu. Ça, c'est mieux. Alors, on verra, peut-être qu'on fera un deathmatch, on fera une course. On va voir comment on peut gérer ça. On voulait faire une course aussi. C'est vrai que c'est... Allez les gars. Allez, c'est parti. On y va. Tous ensemble. Donc c'est parti. Alors, l'équipe, donc vous voyez les oranges en haut et les violets en bas. Tu peux faire ça pour voir si tout le monde a bien connecté. Je lui bats pour voir mais c'est ça. Bon, tout le monde est co. Tout le monde est là, ouais. Bon, c'est nickel. Peut-être que les autres pourront rejoindre, je sais pas. Voilà, donc le mec nous appelle. Il dit blablabla, faut que j'aille défoncer. Donc faut aller tuer les mecs, en gros. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est très sympa parce qu'il y a quand même une sorte de mise en scène, tu vois. Allez, les gars, on y va. Bousiller leur publicité. Montez. Je vais vous conduire, moi. Donc, c'est vrai que les GTA, c'est des jeux qui avaient été à l'époque très attendus pour le multi. Et en Rockstar, bon. Qu'est-ce qu'il veut faire, Woman? Je sais pas, bon voilà, tant pis. Non mais attends-le. Faut qu'il monte dans la voiture. Il y a 6-4 places, mec, tu peux monter dans la voiture, hein, n'aie pas peur. Vas-y, allez, je klaxonne. Non, mais non. Bon, mais tant pis, hein. Mais tranquille, il va pas y arriver. Mais tant pis. Il ne veut pas. Il ne veut pas ouvrir la portière. Il y a d'autres véhicules, hein. Ok. Bon, il va nous suivre avec un autre véhicule. Tu diras pourquoi t'as pas voulu rentrer dans la voiture, Gongman, bizarre. Il n'a pas les mêmes attitudes que nous, attention. Wow. Ouais, c'est conduit comme ça aussi, parce que c'est vrai que la conduite de GTA 4, elle est particulière. Soit ça tourne trop, soit ça tourne pas du tout. Surtout quand il n'y a pas. Oula! Oh putain! La voiture elle saute. Oh putain, l'accident qu'il y a eu là? L'accident qu'il y a eu quoi. Il y a l'IA. C'est le vieux script. J'ai mis normal la circulation pour tranquille comme ça. Attends, là il y a tout capoté. Il n'a même pas besoin de. Les mecs! Oh, relax! Pas besoin de s'énerver. Je m'arrête en voiture, hein. C'est pas le train, il faut sauter du train. Allez, on le défonce. Non, il est tout droit, il est là. Il est là. C'est juste ce petit panneau là. Ça, c'est les panneaux. Ouais, c'est tout petit, tu sais. Je crois que c'était un mec. Ouais. Non, c'est des panneaux, fallait dire, c'était un panneau publicitaire. Ouais, souvent c'est des mecs à tuer, donc je comprenais pas, je fais putain, bug de synchro, si on voit pas le mec. Non, c'est un panneau, c'est bon. Attends, Gangman, peut-être qu'il va arriver cette fois, il va vouloir peut-être monter dans la voiture. Non, je sais pas, je crois que la folie l'a atteint, ça y est. Tu crois ? On va revenir le voir, ça se trouve, il est au milieu de la rue en train de tirer sur les passants. Et qu'il a complètement pété les plombs. Oui, donc c'est les modes par objectif, et l'avantage c'est que ça tourne en deathmatch dès lors que des équipes différentes arrivent à un même point finalement. Hein. Comme les objectifs sont communs à toutes les équipes, heureusement, parce que sinon ce serait un peu con. Chacun fait son truc de son côté. Là, c'est les objectifs communs, et donc ce qu'on fait, ils ne le font pas. Donc pour l'instant, on est deuxième. Voilà, deuxième équipe. Allez, faut détruire les panneaux. Bon, on peut le faire depuis la voiture. Ouais, c'est le petit panneau là, vas-y, fais-le depuis la voiture. Hop, on tire comme ça. Voilà, et voilà. On a fait notre devoir. Ouais. Petit homme, fais ton devoir. C'est ça. Allez, il en reste un. Non, on est à Times Square là. Ouh. Ouais, on vous l'avait pas dit, mais le Manhattan, genre le Times Square de GTA 4 est à l'envers du vrai Times Square. C'est ça, ouais. Bon, c'est peut-être pour éviter de faire merder. Non, c'est pas New York, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est clair. Tu t'es trompé, c'est pas dans l'autre sens. Attention, là, on va croiser les oranges là. Là, hop, Pedro, je redonne l'émission. Là, ça va chier. Ils sont là dans la voiture là. Ou quoi ça, bien sûr, c'est du team deathmatch en même temps. Hey, Alnino, mitrailleur. Il est mort là, non? Il a lance-roquette. Oh, c'est derrière vous là, c'est violet. Voilà. Là, ça se pousse à la gueule. Ok, j'ai été team killé par double H. Ok. Et très bien. Virus Rockstar. Ouais, c'est vrai, on l'avait pas encore eu sur ce truc. Donc c'est tuer un mec qui avait tué un mec qui avait tué un mec de Rockstar en gros. Ok. C'est comme un virus qui se répand en fait. Et ça débloque le skin zombie. Qu'est-ce qu'il veut lui? Donc c'est vraiment. Il est quand même excellent le multi, même s'il est un peu bancal. Notamment ce mode, tu vois. Il y a toutes les équipes qui sont ensemble. Il y a les piétons au milieu. C'est le gros bordel quoi. Tu peux aller vert, t'es vert. Ah ouais, c'est vrai.
Ouais, bon. Je crois que c'était les autres. Il y a personne là. Enfin, le bordel tout de suite là. Faut se barrer, hein, les gars. Montez dans la voiture, montez dans la voiture. Mettre à couvert. Mais rentre dans la voiture, on va faire l'objectif, je crois. Ah ouais, j'ai pas enlevé l'aide à la visée, mais je l'ai pas vu dans les options pour ce mode. Bon, c'est pas trop grave. Oh, putain, la voiture. Ah, il faut que ça rejoigne. Ok, oui, cool. Voilà. Pourquoi il y en a qui ont réussi à rejoindre? Oh là là. Oui, donc ça tourne bien sûr en deathmatch dès lors qu'on croise quelqu'un là. Allez, les gars. C'est assez énorme de foutre le bordel dans la ville. Hein. Attends, il y a ton pote là, notre très mec, il est né juste là. Voilà. Et en face, ils ont 5 mecs. Il faut qu'ils sont 5 maintenant. Ouais, eux aussi, non. Attends, non, ils sont 4. Hein. Et nous, on est la meilleure équipe. Normal. Allez, tu t'amènes, hein, on représente. Dans 12, ils ont quoi? L'équipe 1, ils ont 60$ chacun. Voilà. Là, ils se tuent. Ah, Curlix vient de se faire tuer. Et oui, il y a un petit assassinat peut-être. Ouais, c'est ça, assassinat aérien. Attention, là, j'arrive comme un bourrin. Oh. Allez hop, Romain, et voilà. Ouais, GTA, genre, même le 4, hein, voilà. La série GTA, attention, tu te fais péter par la voiture. C'est énorme. Les GTA, c'est tout simplement énormissime. Mais franchement, là, oh putain, ça rame, c'est bon. Nous, mon premier GTA, c'était le 2, sur PlayStation. Ouais, pas tout compris, hein. C'était vu de haut, c'était très difficile à jouer. Et finalement, Rockstar a quand même su exploser le concept. Hein, parce que passage à 3D avec la PlayStation 2, GTA 3, une tuerie quoi. Voilà, une tuerie. Même si on avait eu d'abord Vice City qui reste notre préféré, normal, c'est le premier. Ouais, c'est clair. Vice City, pour nous, c'est le must du must. Hein. Même si SA a énormément apporté avec sa personnalisation. C'est clair, c'est clair. En même temps, voilà, quand énormément poussé. Putain. Curlix ! Ah, il comprend pas, il est le prêtre, le médecin, tu sais, il fait putain, c'est quoi une voiture ? Dans 1500, les gars. Mais du coup, faites plus d'objectifs, vous foutez sur la gueule. Ah non, ça a complètement dégénéré là. Mais bon, c'est les joies de GTA 4. En tout cas, ouais, ça se prête pas mal du tout au weekly. Hein. Là, c'est tout le monde se mitraille et. Hop, je me suis fait tuer. Éclater par Romain. Et après, il s'est fait tuer, donc c'est le gros bordel. Je vais essayer d'apparaître à côté et d'aller faire les objectifs. Mais vu que ça rapporte de l'argent de tuer les gens aussi, pourquoi pas quoi. Qu'est-ce qu'il y a toi? Tu veux un système de santé? Moi je crois pas, non. Faudrait que la prochaine fois on mette les flics, parce que les flics c'est bien aussi, je crois. Ouais, mais là non, ça fait trop ramer en fait. Ah ouais? C'est une connerie en fait, Rockstar, qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tu mets les flics, ils sont pas synchronisés avec tout le monde, et ça fait mode MTAVC quoi. D'accord. Donc c'est un peu dommage. Pourtant, ouais, moi aussi j'aimais bien les mettre au début. Mais après, ah mais c'est les oranges là. Putain, il y a juste les verts derrière toi, tu aurais pu les faire embarquer dans l'ambulance. Dans l'ambulance, pour grimper. Derrière toi, il y a Lino là, il veut te foutre en l'air, fais gaffe. Bon, et là, pas mal, on vise plus. Et voilà, on vise la tête. Ouais. Allez, montez tout le monde. Je suis pas mauvais, hein. Je suis content là. Monte dans la voiture, il y a la voiture de mec là. Ouais, allez les gars, on monte. On va faire les objectifs. Vas-y, Tixon, t'as plus que deux places. Toi, pousse-toi là, tu vois, t'arrêtes au milieu du carrefour là. Allez, prends scooter. J'attends qu'il met le casque ou pas. Vas-y, prends-en qu'il met le casque. Attends, c'est les codes de la route. Il a pas mis là, il veut pas le mettre en multi. Ah, je vais me faire poutrer comme ils disent. Et voilà, à trouver. Oh, je l'ai. Il est presque. J'ai pris le scooter. Ah ça, ouais, j'ai pris Manhattan parce que c'est quand même excellent, hein. Forcément. Putain, c'est le gros bordel quoi. Moi ce jeu je l'avais fini, je l'ai fini 3 fois. Ouais. Je l'ai fini 2 fois avant les trophées et après une fois avec les trophées. Ouais, parce qu'ils ont mis tardivement les trophées parce que le jeu est sorti bien sûr comme vous le savez fin avril 2008. Et les trophées sont apparus avec la mise à jour de début août 2008. Hein. Ouais. Ils sont devenus obligatoires depuis le 1er janvier 2009, voilà, pour le petit historique. Donc du coup, certains jeux ont eu des trophées plus tard. Rétroactivement. Et ouais, enfin non, qui n'étaient pas rétroactifs en plus. Hein. Avec les sauvegardes, donc il fallait tout refaire. Oui, ça, comme Uncharted 1 et ou GTA. Quoi. Ouais, et MGS4 n'a jamais eu. Voilà. Les gens en voulaient. Bon, après, ça. Ouais. Après, voilà, les trophées, ça sert pas à grand chose. Hein. Après, quand on réfléchit bien, les trophées, ça sert à quoi? Ça sert strictement à rien, à part juste à se comparer à dire oh lol, j'ai 2 platines, t'en as qu'un. Ou, ouais, c'est ça. J'en ai 30, t'en as encore, 12, ça se compare pas trop, quoi. Nous, on regarde pas, quoi. Maintenant, tu fais le jeu, t'en débloques normalement, quoi. Ouais. Allez, vas-y, Gongman, est-ce que tu vas savoir ouvrir la portière? Bien. Mais non. Vite, fais des progrès. Ouais. Et en face, fais gaffe, la moulure. Allez, accident sur la gueule. Accident. Wow. Vas-y, prends le mitraille. Les pneus. Oh, il m'a tué. Il a tout de suite, tu vises le conducteur. Hein. La voiture a brûlé, Gongman, faut que tu partes là. Voilà. Il est mort, Ray Fox, non? Je crois qu'il l'a tué, ouais. Ouais. Ouais, en tout cas, ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Bah, c'est une vraie boucherie, hein. Ouais, c'est finalement, ça. Finalement, les objectifs, t'en as fait 2 ou 3 au début, ouais. Mais pourtant, il y en a d'autres, hein. Mais il continue à les faire. Oh non, putain, on leur met la branlée, quoi. Ah ouais, il y en a un qui est parti chez Orange. Parce que visiblement, ils étaient 4, ils étaient 5, ils sont plus que 4. Ouais. Bon, c'est pas grave, ça fait 4 contre 4 contre 4. Hein.
Après, on vous le rappelle, hein, on fera une deuxième session. On quittera et on invitera ceux qui n'ont pas participé. Hop là, et tu fais que. T'as un problème ? Non, mais tu me le dis quoi. Ah, t'appelles la police. Vas-y, descends. T'appelles la police en plus. T'appelles rien du tout, oui. Tu t'as appelé la police comme ça là ? Tiens. Voilà, tu l'appelles la police là ? Putain, j'hallucine. Si on va faire le saut, non, je crois pas. Sinon, GTA, tu peux faire toutes les conneries que mais ouais, c'est... Oh putain, fauchez-la, fauchez-la. Même si dans. Les passages piétons, connasse. Même si dans le 4, il y a un peu moins de fun que dans les sables, et c'est normal, hein, Rockstar, ils vont pas mettre tout le fun d'entrée de jeu. Hein. mais franchement, ouais, mais le 4 est quand même. Tiens énorme. Pas sur Double. Ouais, sur dessus. Quoi. Le 4 est quand même énorme parce que. Il fait plus adulte et plus évolué, tu sais, comme on peut grimper aux échelles, donc le gameplay est plus poussé. Ouais. Il y a des gens, sinon faut pas tirer. Et... Oh putain, vous êtes mort. Ah, on s'est tué. Non, il est pas mort. Ouais, mais il va crever, c'est obligé, les voitures vont péter là. Allez. Oh, il a réussi à partir à temps. Attention, on va voir s'il est mort ou pas. Alors, je crois que pas. Je ne crois pas. Ouais, ok. Eh. Voilà. Tu n'y pas, mon gars. Attends, les violets font les objectifs, hein, fais gaffe. Ouais, on va aller les tuer, tiens. On va aller. Bah, attends, on va acheter. Non, on va pas aller chercher un objectif, on va aller les foutre là, le mec. Y'a le mec là, y'a Gongman finalement, qui veut nous suivre tout le temps, pas sûr. Attends, vas-y, Gongman. Prends ta voiture. Prends ta voiture, Gongman. Oh, désolé. Désolé, j'ai senti que l'arrière est touché, désolé. On va faire un constat là-bas. Eh là, les trottoirs, voilà. Ils ont compris, le mec, il arrive à 150, quoi. Je crois que là, c'était Grande Centrale. Genre, aïe. C'était. désolé. Oui, il y a beaucoup de. Dommage. Il y a beaucoup de. De victimes collatérales quand on joue à GTA. Hein. Bah, tu contrôles pas, de toute façon, on est là pour tout défoncer. Toi, tu veux pas faire les objectifs finalement. Non, il y a des petits points qu'on peut régler là. Putain, ce mitraille, puis voilà. Salut. Au revoir. Ils se croisent, ils se foutent en chargeant dans la gueule. Et après, au revoir. Normal quoi. T'as cherché. Tiens, là, je vais chercher ici. Là. Attends, je vais chercher une arme quand même. Il y a la corvette là. Ouais, mais. Attention. Tu me laisses sortir, s'il te plaît. A priori, il veut pas. Voilà. Grey Fox. Qui m'a fini, est-ce que c'était pas lui? Oh. Vengeance. Non, ouais, vraiment pas mal. Je pense qu'on fera aussi un gendarme et voleur après. Même s'il est parfois plus court, parce que dès que le chef est mort, c'est fini. Hein. Mais c'est plus tactique aussi. Mais tu doubles pas? Putain, mais j'hallucine, là. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ce GTA 4, c'est un truc qu'on avait tout le temps réclamé, hein, c'était le fait que les piétons, les PNJ, meurent pas en une balle. Ouais. Et là, nous, c'est plus équilibré avec nous aussi. Hein. Effectivement, on meurt plus vite. Hein. Parce que moi, ce qui me saoulait, c'était... Putain, t'as caché. Et voilà. c'était que le mec, tu le mettais dans Vice City ou dans la salle, tu lui mettais une balle dans le pied ou dans le bras, le mec fait « Ah, là, je vais mourir », tu sais. Alors que là, maintenant, tu peux leur mettre 3-4 balles dans les pieds. Moi, je sais que j'aime bien leur mettre, tu sais, les faire tomber, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, une exécution dans la tête, c'est... Ouais, c'est ça. Bien violent, les gros psychopathes quoi. C'est ça, ouais. Puis finir au couteau et le planter au couteau par terre comme ça. Un pour la Rogue Warrior et fait péter salope quoi, c'est normal quoi. Putain, les trottoirs putain, c'est pas putain. Fait pour les cons les trottoirs, sérieux quoi. Et là, il est où là? Il est où? Il arrive. Viens là. Hop, roulade. Grenade, il a des grenades. Ah, il a des grenades. Grenada. Mais elles sont. Putain. Attendez, achève-le. Même pas. Et voilà. Il a des grenades, je crois qu'il en a lâché une. Ouais. Ah, c'est bon. Non, c'est. Si, je l'ai dit qu'il a lâché une, je l'ai vu. Mais je me suis dit, elle a pas pété depuis. Il a fait martyr comme dans le code. Ouais, c'est ça, ouais. Double chance, ouais, il reste par terre et il tire son pistolet à la corde là. Mais crève, putain. Le pire atout qui existe dans le code, hein, franchement. Ouais. Les mecs qui mettent double chance, c'est horrible. Tu retournes, toi. Plus tes roues, quoi. J'hallucine. Ouais, Ginger Don't absol. Don't absol. Allez. Ça sort de la bouche de Cartman et tout ce que dit Eric Cartman, c'est la vérité. C'est ça. Les roues n'ont pas d'âme. Hein. C'est ça. Vous retenez ça, mes enfants. Ah. La morale du jour. Horreur. Avec le super épisode là-dessus. Ouais, sur les roues. Il fait son exposé au début. Hein. Ah, dégueulasse. Il monte des potes dedans. Non, mais aussi l'épisode, tu sais, chez la piraterie là, tu sais. Oui. C'est vrai, Kyle. Ah, oui. T'es juif et t'es roux, donc t'as double protection. Tu peux pas être pirate, c'est pas grave. Comme si c'était connu, quoi. Ok, sortie de route. Va faire un objectif parce que des violets, je pense qu'ils vont vous passer devant bientôt. Ah ouais, ils vont vous passer devant. Hein. Okay, faites quelque chose. Hein. Moi je vais le faire là, allez c'est parti. Donc oui, on n'a pas trop dit aussi, il y a de la vie et des armes partout sur la map, ouais c'est ça. Finalement, ouais, bien complet, et c'est que ça fait longtemps qu'on ne l'ait pas fait, et je pense qu'on le refera de son GTA, même avec les épisodes From Liberty City qu'on fera aussi. Hein. Après c'est à vous, hein. Là... Ah oui, c'est ça, on vous relance là-dessus, ouais, parce que c'est la weekly 16. Oh, fallait pas réparer ta voiture, toi. C'est ma place de parking. Eh, c'était qui c'était? C'était l'autre de Carglass, là. Olivier? Eh oui, c'est Olivier de Carglass. Merde. Putain, t'es en train de mettre une pièce de 2€ sur le pare-brise, t'as tué, quoi. C'est une pièce de 2€ qu'il a foutu, là.
Bon voilà, tant pis, Olivier il est mort. Hein. Bah, il fait plus... De toute façon, c'est plus Olivier qui fait la pub, je crois. Frédéric, je crois, je sais plus qui c'est. Ouais, il y a plusieurs, de toute façon. Même ouais. Il y a des meufs, des blagues, il y a tout, ça, ils ouais. Ont tout mis, tu sais. N'importe quoi. Genre, il y a du monde à Carglass, quoi. Bon, là, on peut faire, on peut se la jouer. Ok. Bon, je suis tout seul là. S'il vous plaît. Ah, merci. Mais oui, mais laisse-moi monter. Même pas. Fais gaffe, j'ai un molotov. Hein. Attention, il y a un violet là, il y a un violet qui arrive. Il y a un violet qui arrive. Non, c'est bon, il est passé dessous. Ah, il est passé dessous. Je le brûle sinon, comme ça. Allez, allez, ouais, mais on peut pas lui parler. Faudra qu'on. On va vraiment réfléchir à mettre le micro parce que. Ouais, c'est clair, ouais. Pour se parler, notamment dans GTA, c'est hyper important. Quoi. Ouais, et puis je pense que là, en plus, on peut activer soit équipe, soit à proximité. Donc à proximité, ça peut être pas mal. Hein. Genre, on se parle que tous les deux quand on est dans la voiture. Oh, prends la. Putain, fallait prendre l'Infernus là. Est-ce qu'on dit mieux? La corvette, elle est pourrie. Non, mais je voulais sortir le temps que je sorte et tout. Je crois qu'elle a disparu, hein. On va aller au garage, enfin au parking. Attention, invitation reçue, ça ne sert à rien. Là. Oui, donc bien sûr, on a voulu vous relancer les votes, hein. On a instauré ça quand même. Donc, je pense ça commence en février en fait. Ça va commencer le week-end prochain, hein. Parce que le 1er février, c'est bientôt. Ouais. C'est ça, oui. On est bien le 22 aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Donc le 22 plus 7, 29. Ouais, c'est ça. Je vais te prendre ta corvette parce qu'on sait jamais quand même. Voilà, merci. À partir de lundi prochain. Attends, lundi prochain, c'est bien ça. Attends, je regarde vite. On regarde le calendrier. Le calendrier de Windows. Voilà. Ça sera mardi 1er, donc à partir de mardi 1er, de toute façon on le répétera pour la boucle 17. Hein. Ouais. Donc là, tous les jeux sont soumis au vote, que des jeux Play 3 et PC ça, quoi. Qu'on a, hein. Voilà. Faut demander qu'on les ait avant. Hein. Sortez pas un jeu qu'on n'a pas. Et après, on vous récapitule. On vous fera le bilan, c'est-à-dire. On vous dira qui a voté pour. C'est ça, voilà, c'est ça. Nombre d'inscrits, nombre de votants, vote nul, tout ça. Hein. Je crois que Universal ne nous plaisante pas. Hein. Ouais, non, sans hésiter un peu, on va y réfléchir. Hein. Et donc si vous voulez refaire du GTA, du Red Dead, tout comme ça. Code est exclu du vote aussi. Ah oui, mais ça ouais. Parce qu'on veut dans les votes, on veut de l'originalité, parce que son code reviendra une fois par mois normalement. Donc, ouais, maxi une fois, genre une fois toutes les 5 semaines quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Avec son programme habituel, hein, vous le savez. La fameuse Nuketown, hein. Mais bon là voilà. Et oui aussi donc voilà, ceux qui votent pour un certain jeu, ben ce jeu, ils sont inscrits d'office dans ce jeu s'il passe, bien sûr c'est logique. Oh, on s'arrête et voilà. Et voilà, on a perdu. Et donc vous voterez. Il sera pour la dernière week du mois, pas de l'année. Voilà, c'est ça. Mois. En fait, on vous laisse tout le mois pour voter voilà. Parce que vous ne votez qu'une fois. Attention, vous ne changez pas votre vote. Gary Fox, il est chaud bouillant. Donc, il veut qu'on le foute en l'air. Il, ouais. Il est mort. Voilà. On attend que sa voiture pète. Non, même pas parce que sur la direct. Il y a les violets. Attends, laisse monter le violet. Le vert, la Tixoun. Ouais, vas-y. Faites plus Infernus. C'est bon. Vite, monte. Il y a un autre violet. Double H. Il y a un orange. Vite. Désolé. Attends, il y a un peu tous les cas. Oh. Qu'est-ce qu'il lui a mis là? Franchement, il est passé à travers ou pas? Non, il est passé entre nous. C'est pour ça qu'on s'est esquivé. Voilà, se boucher quoi. Et voilà. Ça va tout péter. Faites gaffe. Cassez-vous. Oh putain, ça pète. Bah, allez, montez à 4. Allez. Et non, c'est moi qui conduis. C'est voilà. Moi qui conduis. Et vous allez faire la mission parce que le mec il dit voilà, les gars. Qu'est-ce qui se passe quoi? Vous voulez des écrans plats, tu sais, faut y aller quoi. On est toujours premier, hein. Ah c'est... ouais, je suis très content là, je trouve que c'est assez énorme. L'ambulance ouais. Qui va essayer de les réanimer, tu sais... Pour rien de vous cacher, ça avait mal commencé avec le fait qu'on pouvait ouais, faire ça, que ouais. 8 invites et ouais, tout, parce ouais, que... J'étais assez dégoûté, hein... Parce que nous on est gênés, tu sais, on vous inscrit, on sait à combien on peut jouer, donc on met tant de personnes inscrites et tant de personnes sur liste d'attente. C'est ça. Et là, putain, on a dit c'est pas possible, on va les inviter, quoi. C'est clair, ouais. Et puis là, voilà, on a réussi dans les paramètres à aller dans tel mode. Mais oui, fallait te barrer, qu'est-ce que tu fais, là? Faut pas rester, là, ils étaient tout de suite, imagine. Fallait que tu roules là, tu l'écrases, le mec c'est un piéton, tu le défonces. Ouais, je me suis dit on va s'en faire un quoi. Mais c'est comme il a la visée automatique, il a l'ascendant sur ceux qui sont dans les voitures. Mais bien sûr. Mais bon, la prochaine fois on l'enlèvera si on fait un autre. Il prend la voiture, il va faire un objectif là. On va leur montrer un petit peu les missions mafieuses pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Même si on fait pas souvent les objectifs, c'est vrai. Mais bon, on est quand même premier. Voilà. Allez, on va essayer de faire un objectif. Voler les vannes, donc ouais, faut voler les vannes et les ramener. Okay. Oui, donc pour le vote, pour finir sur le vote quand même. Hein, vous votez une seule fois par mois et vous ne changez pas votre vote, donc vous pouvez très bien voter. Avance. Non, attends, c'est agressé là. Voilà, t'es mort encore. Mais c'est le conducteur qui s'est arrêté, donc j'y peux rien moi. C'est toi le conducteur? Ah, mais non, j'étais passager. Ah, d'accord. Donc j'y peux rien moi. Il s'arrête, je descends au moins quoi. Elle monte dans une voiture vite et tu les fais suivre. Là, là. Elle est morte. Elle est brûlée, je crois. Elle est éclatée, hein. Ouais. La corvette elle est morte avec deux places. Putain, là, il s'est foutu sur la gueule encore. Monte dans le 4x4. Là. Tiens, on va. Allez. Ah, je vais me barrer, je crois là. Il a un skin de zombie, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il est peut-être immortel. Non, il est pas immortel. Ils ont la peau flasque, ils ont dit, les zombies.
Et je sais pas si vous avez fait gaffe depuis le début, quand quelqu'un se fait tuer ou pas, il y a de l'humour à Rockstar. Hein. Oh, oui, ouais. Écrit arrosé, c'est fait kalachniquer, ouais, ou, ça, c'est ouais, fait c'est mitrailler, etc. Genre, Il y a une dizaine de mots au moins, et c'est adapté à l'arme aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Sens, c'est à la grenade, ça a tout fait péter ou un truc comme ça. Putain, les trottoirs, les mecs, voilà. Respecte pas. T'es sur le trottoir au moins. Là, je crois qu'il y a gros accident parce que je ne sais pas faire lire. Allez, hop, bon. Ta voiture va brûler après. Ouais, mais elle était déjà foutue. Donc, je savais qu'un choc c'était fini. Prends une autre voiture. Ouais, non, elle est trop défoncée, les gars. Prends une voiture parce que attends, elle est faire une belle Lamborghini là. Enfin, s'il y en a une aussi. Je crois que là, on va pouvoir. Voilà. S'il la veut, Petrovic, je lui ramène. Allez, c'est parti. Ça, c'est quand même mieux, tu vois. Mais ça tout, de suite, tout de suite, c'est un autre standing, quoi. Attends, je crois qu'en fait, les mecs, ils avaient descendu, tu sais, pour bouger. Il y en avait une deuxième en face. Ouh, voilà. Ouh. Le clipping, un peu, quand tu fais comme ça, là, la GTA. Un peu moins présent, quand même, dans le 4. Hein. Bah, normal, vu les capacités de la machine, c'est obligé. Hein. Le 4 a été quand même beaucoup critiqué et décrié, quand même. Hein, mais franchement, ça reste un excellent jeu, le jeu de l'année 2008. Incontestablement, quand même. Ouais, et toujours, je pense, quand même, l'un des top 5 hein, des meilleurs jeux dès que j'ai. Et là, peut-être, il n'y a pas un accident, là. Hop là, putain, tu fais comme ça, il y a que l'arrière qui prend, là où il y a le moteur. Non. Oh la roue, putain, t'as cassé la roue. Hein. La roue. Vite, la Lamborghini noire, vite. Oh putain, je crois que tu as joué le pneu. J'ai pété un pneu, je crois. Et surtout, il accélère. C'était comme les cheat codes dans GTA Vice City, tu mettais conducteur agressif. Oh ouais, c'était fabuleux ça. C'était les mecs, c'était des fous furieux. Casse-toi. T'es le vieux, il a pas de casque. Je comprends pas, ouais. Hop, moi non plus. Il y a un vert avec toi. Attends-le. Attends, il y a un violet à l'objectif là, on va faire l'objectif. Il reste plus que 3 secondes. Ah, c'est fini déjà. C'est passé vite, hein, finalement, 20 minutes. Hein. Et voilà, on a gagné. Victoire. Je suis deuxième. On fait quoi? On fait une course pour cette fin de première session ou Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'après, on va faire, vous le comprenez, on va faire jouer les autres personnes. Hein. Ah, mais je change. Donc, on va faire une course. Tokar Ace. Tokar Ace. On va faire ça. Voilà. Donc, soyez prêts. Il y a des missions en équipe en bas, mais elles sont occultées parce qu'on ne peut y jouer qu'à 3 et on est visiblement plus que 3. Voilà, il y a du deathmatch en équipe, tout ça. Donc ça, les modes au-dessus, ouais, il y a des modes en solo et il y a des modes en équipe. Hein. Donc aussi, vous nous avez proposé de faire un multi à l'aéroport en lance-roquette. Bon, on va voir. Hein, c'est... Ouais, je vais varier un peu les trucs peut-être. Quoi. Vaut mieux visiter un peu, se balader, c'est un monde ouvert, donc ouais. Autant en profiter parce que si on reste enfermé dans l'aéroport, c'est pas forcément très fun, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire celui-là, ce Times Square là. Une course compliquée, hein. Une course compliquée. Ouais. Mais qui reste dans Manhattan. Un peu trop grande, celle-là. Ouais, elle est pourrie, là. Attends, ce côté-là, elle est nulle l'année. Ouais. Dans Alderney, là. Non. Ah, si, ça peut être sympa, ça. Ouais, si, ça peut être sympa. Ouais, quel sens on y va, par contre. T'as pris la Super GT, toi? Non. Prends la Comète, moi, elle a vachement... Il y a plus de tenue de route, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, c'est chacun pour sa gueule, les gars. Voilà, donc, en jaune, dégâts véhicules normal, hein. Ouais. Circulation normale, piétons normaux. Ils sont tous normaux, je pense, ouais. Ouais, ils sont bien. Ils sont normaux. Alors, on va mettre quand même mi-journée pour qu'il fasse jour. Voilà, alors, on peut encore vous virer. Ouais, il y a toujours autant de monde, je crois. Hein. Ouais, ils sont autant. Ouais, c'est ça, 2, 4, 6, ouais. Bon, bah on va commencer, c'est bon, on fait ça là, 3 tours. Ouais. 3 tours, ouais, c'est bon, je pense, c'est bon. Et puis on finira comme ça la première session et vous nous direz ouais, ce que vous en pensez. C'est ça, ouais. Et de toute façon, je pense qu'on en rappellera parce que je pense pas que même si là on est 12 ou 13, on va voir quoi. Enfin, on va essayer de faire tourner, de toute façon, on fera jouer ceux qui n'ont pas joué. Normalement, il reste quand même 7-8 joueurs encore qui n'ont pas joué et qui sont inscrits. Donc on en rappellera un peu aussi. On en avait prévu 16, genre 15. Hein, genre... Allez les gars, je fais des courses de Jackie, tu sais. Ouais, je mets les farms aussi. Tu veux jouer au show? Allez, viens, on va jouer au show là. Alors là, dans GTA, c'est pas comme dans GTA, déjà. C'est pas comme dans le mode story, c'est-à-dire les courses, t'arrives à les gagner, même si t'as 2 ans de retard, t'arrives à rattraper le mec. Ouais. Là, c'est des joueurs, donc si tu merdes, t'es foutu. C'est ça. Il y en a déjà, qui sont foutus. Attention, faut tourner. Le vieux. Makerlix. Attends. Bon. Oh, ouais, c'est parti, bordel. Beaucoup de monde a pris la comète et vous avez bien raison. Bah, c'est celle qui est normal. Ouais. Putain. Ah, fou en l'air. Allez, vas-y. C'est toi qui vas être dernier, j'ai vu. Je vais vous carjacker, moi, vous allez voir un peu là. Je suis 9ème. Ouais, on est 12, donc ça va, c'est quand même assez c'est suffisant pour faire une bonne partie. Putain, j'ai peur que 3 tours soit trop long. Ah non, je pense pas, non. Bah, on va voir. Tu vas exploser, quoi. Déjà? Vous avez pas honte? Mais attends, mais quand la voiture explose, les mecs ils partent plus, non? Je crois, ouais. À moins d'en voler une autre? Putain, ils m'ont dit, ouais, je suis pas chaud pour la course et ils nous disaient ce dont tu parles. Et, finalement, on les a poutrés en. Carrément, lui, il va. Luxen, il cheat un peu.
Je mettrais bien. Putain, attention, attention. Et vu que ça a là. Il va te foncer dedans, évite-le. Voilà, je leur fous un coup comme ça. T'es combien, 8ème? Ouais, c'est bon. Putain, c'est chaud. Vas-y. Ils sont freinés. L'abribus, parce que l'abribus c'est immortel, genre il est incassable, ouais, c'est ça, le truc qui te. C'est pas un truc de PD quoi. Je veux la société qu'il a fait. Parlons. Parce que c'est vraiment incassable. Attention là, freine. Faut s'appuyer sur les autres toujours. Voilà. Comme au NASCAR. Toujours, ouais. Non, c'est quand même sympa. Donc il y a deux modes de type de course. Attention les piétons. Et voilà. Allez. Il y a deux types de courses, mais ça lag un peu quand même. Hein. Sur, au niveau des courses, ça lag un peu. Forcément, on a des voitures qui vont vite. Aldelouf a déjà fait un tour. Allez, allez. Putain, il doit être bien il devant. Met, hein. Il met 25 secondes. Ouais. Ah, mais il doit être tranquille. Je pense qu'il va Uber, gagner. OL qui rejoint. Il n'est jamais trop tard pour rejoindre, pourquoi pas. Il te percute, hein. Ils font exprès pour te foutre trop tard. C'est ça, mais ils ont compris, de toute façon. Doucement, vas-y. Voilà. Oh, 6ème, c'est bon. Ça, c'était bien maîtrisé. Il y en a la moitié qui est partie dans le fossé, quoi. Il faut essayer dans le top 3, même si ça va être super dur, parce que ouais, putain, ils ont trop d'avance, les mecs. Hein. Allez. On ralentit. C'est bon. La reprise, là, c'est bon. Et vas-y, prends la suite. J'ai bien maîtrisé. Je sais même pas s'il y a de l'aspiration dans le jeu. Je sais pas, non. Je crois pas, hein. Non. Il est sympa ce circuit, hein. Oui, il est bien, je trouve. Simple et en même temps difficile. Mais angle à 90 degrés. C'est ça, ouais. Des bonnes lignes droites, voilà, donc du coup, poteau, quoi. Si tu maîtrises pas les freinages, c'est comme c'est chaud dans ce jeu de freiner, quand même, hein, faut avouer. Et puis voilà, je voulais un petit circuit pas trop long pour qu'on puisse quand même continuer à se voir, pas se perdre de vue, quoi. Pas qu'il y en a qui mettent une minute à l'autre. Hein. Bon, même si là, c'est en train de se passer, parce que moi j'ai moins 26 et plus 15, tu additionnes, on est pas loin de la minute. Hein. Attention. Voilà. Non, t'es bien à 26 secondes, hein. Ça s'additionne pas. Bah si. Bah non. Si. En bas, Robin il a plus 13 de moi. Ah oui. Donc 13 et 27. Ah oui, tu parles entre le dernier et le premier. Oui, l'écart entre le premier et le dernier. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, petit jeu là. Putain, on est dans GTA. Oui, le deuxième mode de course avec des armes, mais c'est pas très intéressant, je trouve, moi. Bah non, vaut mieux se battre. Ouais, c'est ça. On essaie de faire une course comme ça. Déjà qu'on se fout déjà suffisamment sur la gueule. Putain, 7ème, faudrait au moins que je fasse 6ème quoi. Oh là 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 là. Ouf. C'est chaud. Bon, en tout cas, c'est. Je sais pas, nous on trouve c'est fun, hein. C'est pas mal. GTA, ils ont bien varié les modes et ça, c'est quand même fun. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas joué et ouais, ça me fait vraiment très plaisir là. Je m'amuse bien. On en refera quoi. De toute façon, on fait tourner les jeux pour les weekly, vous l'avez compris. Après, on verra. Peut-être sur aussi Lost and End ouais, ou Gay Tony, on verra. Hein. On freine. Hop, et on accélère. Voilà, parce que genre, si j'avais pris une autre supercar avec que deux roues là. Bah dans le virage tu réaccélères, t'es mort. Mais si je me rappelle bien, je pense que la Super GT est supérieure. Hein. Ouais. L'espèce de Aston Martin là. Peut-être, ouais. Il y en a qui l'ont pris aussi. Et je crois que la Lamborghini elle a plus d'accélération, je me rappelle plus. Mais je sais qu'elle a des bonnes stats parce qu'elle tient bien la route. Alors, putain, il met 36 secondes, enfin, il joue bien Aldo. Essaye de finir dans le nord. Allez, au revoir. Non, c'est bon, allez. Oh putain, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Ah. C'est bon. Bon, putain, l'avance plus la mienne, je me suis fait taper partout là. Voilà, tu te fais défoncer. Oh putain, sa voiture elle va. Ouais, elle va se tomber automatiquement. Ouais, t'as 8ème, c'est pas bon là. J'étais meilleur pour tuer. Attention, voilà, c'est bon. Bah, oh là, le jeune il est complètement. Il s'est trompé de route. Ah, c'est fini là, ouais. Ah non, c'est Aldo, ok, d'accord. T'as Aldo, il met un tour en fait. C'était Aldo. Hein. Oh, ah putain, il vous met un tour. Le jaune, c'est lui, ouais. Oh, il vous met un tour, les mecs. C'est abusé. Chaud, quoi. Ouais, bravo à toi, en tout cas, là, t'as bien géré. Mais le problème, c'est ça, c'est le début, tu sais. Tout se joue au début, c'est-à-dire que le premier virage. Ça fait course de Formule 1, c'est pareil. Quand il y a le départ, il y a la trois quarts qui se pètent la gueule, quoi. Et voilà, Aldo, premier 4 minutes. Allez, on y va. Attention, 8ème. Ah là là. Faut au moins que je garde cette place quoi, faut que j'en gagne, mais là ça va être. Les écarts sont faits là. Mais sinon je pense que là tu pourras pas gagner d'autres places. Hein. Ouais, si peut-être une. Curly qui vient de finir au pied du podium, 4ème, t'auras pas mauvaise place. De médaille. À part allez. Ah ouais, c'est là-bas. Mais tu rattrapes pas, c'est fini je pense. Hein. Si je joue bien. Voilà, comme ça là. Et là tu vas finir 12ème. Non, c'est bon. Pas possible. Attention, si, fais gaffe quand tu doubles pas. Ouais, 8ème. Bon voilà, bon voilà la casse direct. En fait, ouais, la voiture, ça, ouais. Voilà, on va l'amener. Il y a pire, hein. Je sais pas, peut-être. Tant au tour. Ouais, putain. Il t'a mis pas mal. Donc, t'as mis 40 secondes. Ouais, c'est ça, ouais. Et on aura les derniers. 10ème. Ouh, voiture défoncée, quoi. 11ème, Wongman. Plus que 2 secondes là. Oh, sa voiture, elle est pliée, sa voiture. Oh là là, il a une roue en moins et tout, quoi. Mec, qu'est-ce que t'as fait, quoi. La voiture à 200 000 euros, il a plié. Énorme quoi. Deuxième virage, on va le fossé quoi. On fait quoi là du coup?
Mais on arrête, on va couper. Hein, et on vous fera une deuxième session avec une deuxième vidéo. Hein, c'est ça. Ça, histoire que vous ayez les vidéos tout de suite. C'est hein. Plainte. Et tout le monde est arrivé finalement. Attends, faudrait voir si. Il nous manquait quand même du monde normalement. Oh. Si, on va couper au montage on va inviter ceux qui n'ont pas joué. Allez, on vous dit à tout de suite. Allez. À tout de suite, merci. That I need is the one.